Resident Evil. Quelle ironie, quand même. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne qui puisse encore sauver le monde. Le fils de celui qui a failli le détruire. Et c'est à moi de secourir. L'homme qui a tué le père. Comme je disais, quelle ironie. Je ne sais pas. C'est peut-être le destin. Ça fait 3 ans que j'ai tué Wesker. Je dois laisser cette guerre derrière moi. Quand on aura sauvé Jack, je rendrai mon arme. Quoi? Une minute! Il est temps que quelqu'un me remplace. Je serai honoré que ce soit vous. Je pense pas être prêt. Vous êtes arrivé jusque-là, non? Ok. On y Vous pouvez me dire qui peut bien se payer un truc comme ça? Le nom Neo Umbrella est écrit partout. Soyez prudents. Les connaissants, ils ont dû laisser des surprises. Bien sûr. Et bonjour, bonjour à tous, c'est Parco 2020. Je vous retrouve pour le chapitre 5 de Resident Evil 6 avec Chris Redfield. Je vais essayer de parler assez fort pour que vous entendez et assez bas pour ne pas déranger les voisins. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il a notre ami Chris? Eh ben, il a beaucoup de balles, Nanu Chris. Donc, on est parti. On va pas perdre de temps. Oh. Capitaine. Ok. Je crois que c'est bon. Il nous en veut. Il faut y aller. Aïe 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 aïe. Ils sont dans une sorte de labo. On va l'atteindre par les niveaux inférieurs. Retrouvons-les. Aïe aïe aïe, ça commence bien. L'alarme a été donnée. Pierce, il faut que vous sortiez une zone. On va tout prendre ici. Je vais descendre ça, on sait jamais. Non? Ok. Hop. On va tout prendre. Bon, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas 30 minutes. Les hélices m'empêchent d'entrer dans les conduits. Essayez de les arrêter d'où vous êtes. Et nous, on doit descendre.
Bien reçu, j'y vais. On est parti. Alors, ici vous voyez, il y a un truc. N'hésitez pas à le prendre. Alors, pendant ce temps-là, notre ami Pierce se fait attaquer. Mais ça, on s'en fout un peu, hein, je peux vous dire. On va le laisser se faire attaquer. Nous, on va se méfier parce que je crois qu'il y a des ennemis qui vont pas tarder à arriver. Donc, je tourne de nuit. Alors, moi, quand je tourne de jour, je flippe. Alors, là, c'est de nuit, là. Je garde mon calme, mais je peux vous dire que... Je peux vous dire que je tremble un peu. Non, je tremble pas, mais je redoute un peu. Parce que je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout ce qui se passe passé. Allez, on y va, on perd pas de temps. Parce que notre ami est en danger. Donc on va aller l'aider quand même. Oula. Youhou. Youhou. Regardez ça. Non, comment je fais déjà? Hop, voilà. Ouais, avec Chris, il y a beaucoup de munitions. Donc, ça va aller. J'ai beaucoup de munitions avec Chris. On va aller lui ouvrir la porte. Parce qu'il doit avoir des problèmes, le Pierce, là. Bien reçu. Je rejoindrai devant. Ok. Alors là, on va s'armer. Oh là là. Je suis dans l'ascenseur, je vous rejoins. Compris, capitaine. Parti, on va rejoindre notre ami. Merde, je sais plus comment on change d'arme. Donc en fait, le mec, il a rien foutu. Se faire tuer là. Notre ami Chris. Notre ami Pierce. Alors ici on ramasse tout ce qu'il y a à prendre. J'imagine qu'il n'a pas fait de ménage. Bon, écoutez, on va prendre l'ascenseur, on se casse. Je vais pas. Ouais. Et on se casse. Parce que je sens que la fouille va durer, alors. Allez! C'est parti. On se casse. On descend en bas. Moi, je me pousse de la porte. Parce que je le sens mal. Quand j'ai dit je sens mal, je le sens très mal. Allez, on est parti. Ah, c'est vrai que... Ah, mais j'ai ça. Ouais, je prendrai ça plus tard. On est parti. Alors, deuxième emblème se trouve là-dedans. Mais d'abord, on va s'occuper de... Hein. Ouais. D'accord, il se transforme. Voilà. D'accord.
Lui, il a tout ce qu'il faut, lui. Hein. Le pompe... Oh, il est vivant! Oh, j'y crois pas! On se barre. Oh là là, ouais, bah oui, mais ça m'a explosé sur la gueule. Alors, ça commence à être chaotique. On va quand même changer, on va prendre le flingue parce qu'il a plus de munitions. Regardez-le là-bas. Bah, la famille sert à rien. Hein. Il arrive maintenant. Qu'est-ce qu'il fout? Ah. Oh là là. Oh là là. Du coup, je vais pas pouvoir récupérer le machin là. Ça me perturbe un peu là. Ouh là là. Ouh là là. Bon allez, c'est bon. Comment on change d'arme? Là, là. C'est pas cette arme que je veux prendre. Voilà. Et voilà, de toute façon c'est la fin, c'est fini. Il est pas mort lui. Il va mourir. Il va rejoindre... Est-ce que je peux récupérer l'emblème qui se trouve ici? Voilà. Voilà. Donc prochaine sauvegarde, on se laissera. J'arrête pas de le dire, mais bon. Comme les sauvegardes sont très dispassées. Dégage. Ah, il commence à me saouler. Là. Le cocotier, là. Voilà. Allez, hop. Voilà. De toute façon c'est la fin, donc on peut se... je peux me permettre tout. Je vais quand même recharger tous mes armes. Voilà. Donc la prochaine sauvegarde et on se laissera ici. On se laissera. Comme je vous ai dit, Oui bien sûr. Mais bon, à chaque fois je vous dis ça, mais à chaque fois la sauvegarde est loin. On va quand même récupérer ça. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. C'est des munitions, pourquoi j'ai ramassé là? Bon, je sais pas du tout. Ça a l'air d'être par là. Ah bon. Ah bon? C'est ça que tu veux? Ah, j'ai loupé. Je te louperai pas la deuxième fois. J'attends la sauvegarde, je sais pas où elle est la deuxième, la prochaine sauvegarde. Oui. Oui. D'accord, y'a rien. Allez, on y va. Donc la prochaine sauvegarde et je vous laisserai. Et à chaque fois je vous dis ça et puis la sauvegarde suivante, bah, se retrouve 30 minutes après. Oulala. Ah oui. Ah ici c'est relou. Ah ouais, ici c'est un manège. On va s'amuser. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez vous marrer. On va s'amuser, tu vois. Alors on va déclencher une alarme. Activation du SAS. Si je me rappelle bien. Connexion au bloc de recherche initié. Veuillez patienter jusqu'à la fin de la connexion.
Et voilà. Et voilà, génial, hein. Heureusement que j'ai mon lance-patate. Allez, je monte là-haut. Ça ou pas, allez viens. Allez, ouais, c'est la fête là, ouais, c'est la fête. Ramenez vos monstres, y a pas de problème. Quelque chose me dit que sa dernière création n'est pas un ours. Donc nous sommes seuls. Ok, on fait ça. Ouais, mais c'est pas grave, mon pote. Compris. Ah, j'ai mon lance-grenade, hein. Ils peuvent monter, commande. Hop. C'est quoi qui monte, c'est ça? Allez. Voilà. Allez hop, au suivant. T'es pas mort. Au suivant. Oh, mais qu'est-ce que t'es chiant. Toi là. Eh oui, tu cours où là? Je suis derrière toi. Hein? Eh oui, j'attends. Oula, ah ouais, ça par contre. Oula. Oh, moi je le repousse, moi. Ah là. Voilà, faut faire gaffe à cette abeille, là. Oh, je pourrais la tuer, mais bon, j'attends. Je préfère patienter. Ah, et putain, ils sont deux. Non, hop. Alors pour l'abeille, on va l'aveugler. Et normalement, elle est là. Voilà. 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 Il y en a une autre. Toi, tu vas crever. Merci. Toi, il passe devant. Normal. Alors, putain, il... Ah oui, c'est pour lui. Oh. Pression stabilisée. Hop. Processus de adieu. Pression terminée. Déverrouillage en cours. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Allons. Command. Ouais, mais tu peux ramener tes bêtes. Allez. Oh, putain. Voilà. Content de vous voir. Hey, c'est vous qui nous avez libérés? Décidément, vous êtes de vrais héros. Vous me rappelez votre père. Comment vous saviez? Eh, pas si vite. Vous l'avez connu. Ouais, en effet. C'est même moi qui l'ai tué.
C'était vous? Exact. Chris! Vous devriez tenir votre chien. C'est entre lui et moi. Allez-y. Tirez. Vous en avez le droit. Mais promettez-moi de survivre. L'avenir du monde en dépend. Mais vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire, putain? Arrêtez! Baisse ton arme, maintenant! Dites-moi, vous avez suivi les ordres? Ou c'était personnel? Les deux. Jake, pitié, arrête! Une balle dans la Allez, tête. Baisse ton arme! Lâche ton arme! Il y a des choses plus importantes en jeu que vous et moi. Il faut se barrer! Jake! Je sais! Bon, tirons-nous d'ici. Bah, sauvegarde et j'ai mes deux emblèmes, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. On se retrouve pour la suite de R6 prochainement. Et oui, je déclenche une cinématique. Oui, bravo. Bon. Je voulais vous dire au revoir et au milieu de ça je déclenche une cinématique. Génial. Bon, c'est pas grave, vous laissez là, je déclencherai la cinématique dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Voilà, allez, portez-vous bien et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.